Nous sommes là à jour J-2 du début de la compétition. 11h, les organisateurs doivent rencontrer la presse dans une conférence où ça va dans tous les sens. Pourquoi accompagner pour un sport que vous voulez moins élitiste, un événement qui est élitiste? Eliane Nana de Tarasport calme le jeu. Finalement, quel est notre objectif? Est-ce que nous voulons qu'il y ait un autre Yannick Noah dans le classement mondial ou pas? Alnita et Daniel de BGFI sont prêtes. Mais aujourd'hui, la compétition est mondiale dans tous les domaines, que ce soit dans le tennis, le basket, le football, la banque, les vendeurs de pâtes, tout est mondial. Un de nos leitmotivs, c'est le pouvoir d'excellence. D'être excellent dans tout ce que nous faisons, dans nos métiers, dans notre organisation. Et nous devons faire rêver. Maurice Feuzeux est président régional de tennis dans le littoral. La Fédération camerounaise de tennis soutient leur activité parce qu'elle va en première politique. La Fédération camerounaise de tennis qui se résume en la vulgarisation, le développement de la pratique et l'organisation des compétitions. Qui va jouer au tennis? Qui va participer à ce tournoi? Ces joueurs locaux, nous allons les découvrir où? Il faut apporter un secours. Tu prends au hasard comme ça les quatre qui ont toujours fait les demi-finales des compétitions nationales. Le premier, Augustin Touba, est de Yaoundé. Le deuxième, Thébo Etienne, habite à PK15 à Douala. Le troisième est Cédric Woubon, Blaise Quinty, vient de Bamenda. Cédric Woubon est professeur d'éducation physique à Ezeka. Donc vous pouvez comprendre que les quatre meilleurs joueurs du Cameroun ne viennent pas que de la même ville. C'est pour vous dire, si on joue au tennis partout au Cameroun. On s'entend finalement. C'est un tournoi de tennis senior simple messieurs qui se joue du 18 au 25 novembre. Nous en sommes à la 2e édition. Ça se joue au tennis club de Douala. Et voilà, il y aura de nombreux joueurs locaux et internationaux. Voilà. On sera entre 150 à 200 joueurs. 16h, les joueurs de l'Afrique de l'Ouest débarquent à Douala. Juste un stop à leur hôtel et... Je me nomme Kofi Kouadio Guillaume, je viens de la Côte d'Ivoire. Alors je viens pour le tournoi BGFC, oui. Oui, je suis un joueur de tennis ivoirien. Non, monsieur Média Joël. Je suis venu pour la compétition BGFC. BFC. BGFI. Ouais, Noato. Voilà. Lui, il n'est pas encore un monsieur. Imtia Delmas. Imtia Delmas. 17 ans. Je suis un Béninois. Ouais, je suis un élève aussi. J'ai eu le bac cette année. Il n'a pas les mêmes problèmes que les autres à la prononciation du naming du tournoi. BGF Inuatu. Ouais. Pas de temps à perdre. Il faut aller au tennis club de Douala où sont déjà installés les Centrafricains arrivés la veille. Sylvain Clotaire, Van Bangui et Moïse ont le même problème avec le naming du tournoi. BGFI Noatou. BGFI Noatou. Allons-y. BGF Tou Noah Yannick. Heureusement qu'ils sont bien encadrés par une maman. Je m'appelle Corinne Pewa Saïd. Je suis de la République centrafricaine. Je suis présidente du Bangiro Club à Bangui. Et c'est donc tout un honneur pour moi de venir avec trois joueurs centrafricains pour cette Open de BGFI Noah Tour. C'est la première fois que le club va participer à ce tournoi grâce à l'aide de sponsors, de sociétés ou bien de membres de notre club. Et nous avons un coach de tennis à Bangui camerounais, donc s'appelle Abonga Ernesto. Et qui, par ses amis ici, lui ont dit qu'il y avait un tournoi qui se préparait et qu'il serait bien qu'on puisse emmener des joueurs à nous. Donc j'ai ramené les trois meilleurs du club, le 1, le 2 et le 3, en espérant qu'on va faire gagner des matchs aussi, parce qu'on est venu pour se faire plaisir et pour gagner des matchs. Augustin Touba, lui, est camerounais, le numéro 1 du moment. Il accueille à sa manière ses étrangers et les prend tous au sérieux. Du moment où un joueur se permet déjà de se déplacer pour venir jouer une compétition comme celle-ci, ça veut dire qu'il est prêt physiquement, sur tous les plans. Quoi. Il a préféré les frappes d'une dame comme sparring partner. Bon, c'est vrai que cette dame, elle joue très bien, elle a une très bonne longueur, ça me permet de travailler aussi les zones. Pourquoi pour aussi une dame?
Il doit mouiller le maillot pour aller au-delà des quarts de finale, son niveau de l'année dernière. Lui et ses compatriotes ont un défi pour cette deuxième édition. Le but, c'est de souhaiter bonne chance à tous les participants et aussi à mes frères camerounais, et pour qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes et aussi être disciplinés et monter une très bonne image du Cameroun. L'avenir nous dira.